internautes, bonsoir. Je me retrouve ce soir sur les bordures de Limmat. Derrière moi, vous avez Limmat, du côté de Rudolf Brunnenbrücke. Précisément la place, Kurzplatz, comme on le dit en allemand. Alors derrière moi, vous avez Limmat. Limmat, c'est le cours d'eau qui traverse la ville de Zurich. Alors Limmat part du lac de Zurich. Le lac de Zurich se situe de l'autre côté, au fond. Et c'est de là-bas par ce cours d'eau qui traverse toute la ville de Zurich. Alors, à partir de cet endroit, vous voyez la beauté. Ça, c'est Zurich by night. Alors, donc, sur les bordures de la Limmat sont aménagés des espaces en vue de recevoir les amoureux, les étudiants, les travailleurs. Bref, dans la nuit, nous sommes précisément en hiver. Et pendant ce temps-là, il n'y a que les amoureux ou les personnes seules qui se promènent le long de Limmat pour admirer la beauté, la splendeur de la ville ou qui sont en quête de sensations. Ouf, il fait froid, vous voyez là, j'ai porté les gants. Bon, écoutez, amis internautes, je me retrouve à la place, Rathausbrücke. Rathausbrücke, c'est un pont. Voilà, donc nous sommes partis de Brunnenbrücke vers Rathausbrücke. Et je suis toujours sur les bordures de Limmat. Donc vous voyez derrière moi là, c'est la beauté. Alors, donc, Limmat que vous voyez derrière moi là, part du lac qui se retrouve de l'autre côté. Et dans l'émission précédente, j'étais à partir de Utoke. Je vous avais présenté le lac de Zurich. Et justement, c'est à partir de ce lac là que part Limmat, que vous voyez là, derrière moi. Et là, c'est la beauté, c'est les hôtels, les balades. Comme je l'avais dit précisément, la balade des amoureux, pour tous ceux qui sont à la recherche d'une femme, pour toutes les femmes qui sont à la recherche d'un homme, c'est dans ces espaces-là que vous pouvez les avoir, en hiver aussi comme pendant l'été. L'émission continue, bien évidemment, sur les bordures de Limmat. Là, nous sommes du côté du lac. Et vous voyez le pont de l'autre côté, là-bas. C'est Kurzbrücke. Et j'étais à Kurzbrücke la dernière fois, dans la précédente émission, quand je vous présentais Utoke. Alors, donc, voilà. Les bordures de Limmat, vous voyez tout juste dans les alentours, les personnes qui se baladent dans la nuit, vous admirez la beauté, tout juste à côté de moi là, en dessous là, c'est les péniches, et vous avez l'autre bâtiment,
un peu dans l'obscurité, là, dans le fond. C'est la piscine des femmes de Zurich, là où se retrouvent les grandes dames de Zurich. C'est une piscine qui n'est pas admise aux hommes. Et vous voyez là-bas la lumière, là, c'est un cirque, une installation destinée aux fêtes de fin d'année. Sinon, autrement, ce coin-là s'appelle le Bao Chensli, c'est un restaurant. Voilà, pour la classe zurichoise en quelque sorte. Alors donc vous contemplez toute cette beauté. Voilà, toute cette beauté. Note, le bâtiment que vous voyez là. Dans ce bâtiment se sont mariés la majorité des Ivoiriens vivant à Zurich. Voilà le bâtiment. Ils savent de quoi je parle. Pratiquement, moi-même j'ai eu à assister à plusieurs mariages de nos compatriotes ivoiriens, aussi bien que d'autres Africains à Zurich. C'est bien dans ce bâtiment-là qu'a lieu les mariages dans la cité de Zurich. Je me retrouve maintenant, l'équipe et moi, nous nous retrouvons à Centrale. Alors, de Centrale, vous avez derrière moi toujours l'IBAT. Puisque l'émission s'intitule Balade sur les bordures de l'IBAT, vous avez l'IBAT. Et à ma droite, vous avez l'IBATKE. Je m'étais trompé en disant l'Imachrasé, mais c'est en clair l'Imatke. Vous pouvez m'excuser, c'est l'Imatke. Alors donc, à partir de Centrale, vous avez toute la beauté. Et c'est de là-bas, voilà, c'est de là-bas que l'équipe et moi, nous sommes arrivés à Centrale. Nous avons commencé par le premier pont que vous voyez, ensuite le second pont, jusqu'à Achtethaus. Et de là-bas, nous sommes arrivés ici. Nous sommes maintenant à Centrale et vous admirez la beauté de Zurich dans la nuit. C'est très beau par ici. Nous sommes en période de fin d'année et il est exactement, je cherche une montre parce que ici on ne cherche pas tellement les montres se retrouvent pratiquement un peu partout. Je vais voir de l'autre côté là, il est exactement 19h16. Le 29 décembre 2016. Bonne heureuse année, bonne fête à vous, à vos familles, à vous qui nous regardez depuis Zurich. Communication Wendy, son équipe, nous vous aimons. Bonne heureuse année, c'était Banao Nambo depuis Zurich pour Communication Wendy. Bisous. Et à l'année prochaine. Merci et au revoir.